super musique de, du moment où Kylo Ren tue Han Solo. C'est bon, c'est pas un spoiler, le film est sorti il y a 2 ans. Si vous l'avez pas vu, je considère que vous avez vraiment envie de le voir. Tout comme d'ailleurs l'épisode 8, si vous l'avez pas vu, je considère que c'est un peu tard. Hein. On est déjà mi-janvier, c'est plus d'un mois qu'il est sorti. Donc, où est-ce qu'il y a une bataille déjà? Vena System, d'accord. Par contre, quoi? Une station spatiale d'Onderon. Là, j'ai une autre flotte. Où est ma force de l'invasion? Ok, elle arrive. Un vaisseau de construction qui branlerait un Kessel. On va mettre la station ici, toi. J'ai tout à faire ici. Crota, la Duba. Et Shani et les Qatars sont en paix d'accord. Elle est où mon armée là? Ah là, ça y est, voilà. Vous avez fini de bombarder cette planète, voilà, c'est bien. Donc il y a 6 armées. On va atterrir. Normalement, ça aurait été bon. On est beaucoup nombreux. Voilà, ils sont 6, on est 8. On va pouvoir les défoncer normalement. C'est de la milice qui fait pas beaucoup de dégâts. Moi, des débris à Kashyyyk, parfait. Il y a encore d'autres débris là-haut et là. Pas mal de choses à analyser. On se plaise, hein. On va tout prendre si on peut gagner des points de recherche technologique, hein. Allez. Vera Yaldira. C'est quoi ce truc là? Mandat d'Yaldira. D'accord, les mecs commencent dès le début à m'insulter. Donc ce Gugus là, je sais pas qui c'est, mais il vient juste de sortir apparemment, il vient juste de développer. Il faut la gueule parce qu'apparemment, ben. J'ai traversé leur territoire, donc du coup, ben voilà. Ok. Ces gens-là, on va très bien. Je pense que je me suis occupé d'Onderon, je défonce ces gens-là. Elle dira, histoire de pouvoir les grignoter dans ma sphère d'influence. Ils ont pas compris ce qu'ils ont à faire. Non mais, ça va bien, d'accord. Eux, on les a massacrés. Parfait, planète ennemie conquise. Vous allez envahir Alaris Prime, enfin bombarder Alaris Prime. Et dès que vous avez, bombardé Alaris, on la récupère. Quesh. Station de recherche. Alors, heureusement, j'ai construit 4 vaisseaux parce qu'avec un ou deux, ce ne sera jamais assez. Hein. Donc toi, le leader, là, t'as fini de rechercher ça? Bien!
Des points en plus. L'armée. Elle s'est régénérée. On va lui dire d'aller entrer en orbite et puis je pense que d'ici peu on pourra atterrir. On a 40 points de score de guerre. Recherche complétée, parfait. Simulation subdermale. En gros, c'est des drogues chimiques. Biolab. Core Sector System, on verra ça plus tard. Mission limitée plutôt. Et vous là, c'est bon, 700, 3000. Bon allez, il y a 300, donc c'est bon, ça va être bon le temps qu'on débarque. Voilà, le temps qu'on a débarqué, on arrive à zéro. Oh, j'ai un nouveau missile, c'est parfait ça. Donc je cherchais quoi moi? Voilà, déjà pour les minerais, celui-ci on va le prendre. Donc Terskar. Station de recherche. Oh mon dieu. Révolte à Nagui. D'accord les gars, d'accord. Donc toi qui es ici, qui t'ennuie, le vaisseau là. Je vais essayer de développer tout ça, hein, tout ce qui est ici, puis après celle-là et celle-ci. Une flotte où est-ce qu'elle est? L'autre qui a disparu. Star. Bon, lui bâtisse une recherche, d'accord. D'accord, la colonie a annoncé son indépendance. Membre de l'axe favorable? Alors c'est quoi? Très bien. Chacun peut être indésirable.
Très bien. Cassez-vous les charlatans, je veux plus vous voir. Je les ai exterminés. Quant à évidemment ces crétins de charlatans, je me les ferai d'ici peu. Je les ferai payer, mais de manière permanente. Donc on en est où? 55% avec Naboo, la guerre de Naboo. Moins 32. Avec les dieux de la guerre aussi, ça fera. C'est pas mal, une petite bataille, une petite guerre, une unité spatiale là, histoire de justement bah, développer, bah, taper sur des armes ennemies pour les détruire. Robe d'Odéron, d'accord. Donc un scientifique. Ronde Kashyyyk, là, on a un scientifique qui va récupérer les débris, qui va tout analyser. Parfait. Et recherche ça maintenant, mon gars. Donc l'uni. Surface, on a quoi? C'est des charlatans. Celui-là, on va les exterminer. Hein. Toujours voir ces sous-déchets là. Bâtiment ici, une usine, enfin une centrale. Tolatine ici. Oh, il n'y a pas d'esclaves, du coup ils sont pas contents, c'est triste. Toi aussi tu vas bâtir une académie militaire. Et là, on va virer les trucs de physique parce qu'on a besoin également de. Et ici, tout on va bâtir la boisson de science, voilà. Bah ouais, c'est moche de devoir vous exterminer comme ça, et bon, le problème c'est que j'ai aucune confiance en vous maintenant. Et sur cours 3, ça marque sur cours 3 apparemment. Cours 3, où est-ce que c'est cours 3? Ah, c'est ici. Vous avez mis des sous-races sur le capitaine planétaire, bande de lâches. Ça va être alors nous avons peu d'hygiène spirituelle, puissance pathétique par contre. Ils sont déjà en guerre contre. Ouh,
Toguta, d'accord. Ouh la vache. J'ai une trêve jusqu'en 2265. Ça craint ça. Rassurez-vous. En 1965, je vous conquiers et vous extermine. Par contre, ces cons-là, ils ont fermé leurs frontières, mais vous savez quoi? Voilà. Je vais pas me laisser passer, vous allez voir, je vais passer moi-même. Ça, une fois que j'ai bouffé ces cons, je peux atteindre mon Déron. Les forcer à se rendre. Quand les gars, fuyez. J'accepte. Est-ce que j'ai du nord? Moi, je sais très bien. Par contre, je suis au maximum pour ma construction de système. Enfin, pour ma construction de choses de tir. J'ai de la merde des fois. Vous m'excuserez. Soit tu m'exploses la flotte là, une fois qu'elle a explosé. Les Rodiens. Pas mal de races qui cherchent la merde là. Et c'est cool les Rodiens? Pas de problème. Le problème des Rodiens, c'est pour venir, ils doivent passer soit par. Faut qu'ils prennent Tatooine. Ils doivent passer soit par là, par ici, ou soit en gros par ici. En gros, ils vont arriver par ici. Donc je vais ramener mes flottes à YouTube. Flotte d'otage, je vais la mettre autour de Nal Hutta. Grâce au chômage. Toi, tu fous rien de ta vie. Déjà, toi, tu vas bâtir des. Ça va être. Et toi, on va se faire bâtir quoi? On va voir. Bon, bah, il a bâti. Donc, contre les guignols là, bah, c'est simple. On va leur demander. Réduire leur bonheur. Soit les humilier, soit prendre une planète pas trop chère. Bon, libérer une planète. Non, c'est une planète. La moins chère, c'est laquelle? Voilà. On verra bien. Et si je perds Tatooine, honnêtement, ce sera pas gravissime de perdre Tatooine. J'adore Strike Force Cerberus, c'est une armée de merde. 87 pécores. Bon, on les intègre ou pas là? Ils ont ça. C'est leur puissance, elle est pathétique. 1200 points, voilà, regardez-moi ça. Bim, une corvette en moins. La corvette est destroyée. Bim. Parfait. Et les gars, merci de m'avoir filé des débris en plus hein, à analyser. Ils vont pas couper la flotte en deux d'ailleurs. Il y a une flotte ici. Encore la couper en deux. Alors cette petite armée là, on va l'envoyer là-haut.
au reste. Aussi suivre, voilà, recouper les armées, la flotte en deux. Vous continuez la recherche. Voilà, recherche complétée, parfait. Nouvelle recherche. Concentration de l'armée, voilà. Moins 10%. Alors, regardez-moi ça bizarrement. On a plus trop ces gens-là. Ah, c'est là alors. Débranalysé, parfait. Tu vois, étant scientifique, tu vas rechercher ceci. Toi, tu vas aller ici, bâtir la station minière. Toi, ici, bâtis-moi des stations de recherche. Bon, je vous ai dit finalement que l'idée de faire de la tolérance et d'accepter les esclaves, c'était une idée de merde. En fait, mieux vaut exterminer les autres races, pas qu'ils me cassent les pieds. Minage de cristaux urantiques. Intéressant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Pour les corvettes, je vais changer un peu les missiles parce que c'est bien les armements, mais. Missiles antimatière, voilà. S'il faut énergie, c'est combien? Dommage 3, 11. 6, 11. Je vais remplacer ça par des lasers bleus. Et là par contre, ici... Qu'est-ce que je vais mettre ici? Pourquoi est-ce que vous voulez mettre alors cette merde? Armure 2-5, armure 2. Bah, c'est clair, ça vous faut prendre ça. Et aussi, on va être défecteur. Enfin, ça coûte cher. Save, voilà. Ici, donc, destroyer. On modifie l'armement évidemment avec des missiles antimatière. Et laser bleu parce qu'apparemment ce sera bien plus efficace. Ce qui bouffe une quantité d'énergie faramineuse. D'où le fait qu'on va devoir un petit peu mettre quelques réacteurs à fusion. Voilà, parfait. Les croiseurs, on va éditer ça aussi parce que c'est bien gentil, mais bon.
Voilà, save. Parfait. Je vais redire maintenant, je les attends de pied ferme si je viens se battre. Sinon, on aura le temps de les voir venir, de les voir détruire les stations qui sont ici, puis là, hein, ça me permettra de les voir, ça me laissera le temps de venir les voir venir, et donc de bouger vers Toskia. Les rues genosiennes, elles, traversent. Mais tous ces cons avec leur flotte machine. Des pirates. Et Tatooine, c'est plein de merde. Je vais faire regretter à ces gens-là. Voilà, Vena. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que l'armée qui est à Kashyyyk... C'est sur Alaris Prime, plutôt. Allez! On attaque quoi? Un vaisseau scientifique! Oh les pauvres! C'est une situation qui vient juste d'arriver dans l'air spatial. Et c'est pour me rencontrer moi. C'est quand même pas de chance ça. Je veux dire, c'est des connards qui peuvent pas me blairer. Ils veulent pas me donner accès militaire pour que j'aille écraser Onderon. Mec, il me suicide les gars! Alors. Prendre des débris pour une civilisation qui a juste arrivé à l'air spatial et qui est vraiment en retard. J'accepte. On peut très bien décider de faire la... De faire la paix, évidemment, de négocier. Ce que je vais faire, par contre, c'est que sur chaque planète, je vais voir l'espace au port. Voir si c'est pas au max. Là, on pourra améliorer ceci. Si on peut bâtir quelque chose ici, voilà. On m'en fiche un petit peu. Par contre, sur chaque planète maintenant, armée. Design de défense. On fout que ça coûte des ressources, j'en ai plein de ressources. Qui s'accumulent. Défense honnêtement, armée défense de Hutt, il m'en faut. Y'a plus de Hutt ici, ça peut être de merde. Putain. Suivez-moi tout ça. Jusqu'à 20 armées en garnison, bah on va booster les armées, c'est tout. Hein. Débris analysé.
Parfait. Alors, est-ce qu'on a des problèmes spéciaux, des bris à Vanna? Ça, c'est la grosse erreur que j'ai fait, ça a été de être trop gentil, de pas faire gaffe à l'état de mes défenses. De pas bourrer les défenses des systèmes que j'ai conquis. Et c'est une erreur que je vais pas refaire, je vous l'assure. Donc là, j'ai tout à construire ici. Pensez-vous, Pisilis, Alderaan, vous ferez votre pot plus tard. Donc, bureaucratie galactique. Parce que la bureaucratie c'est important. Et d'ici 4-5 ans, j'attaquerai ces gens d'Alderaan. Et je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que l'épisode du jour vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos commentaires. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.